Bonjour Claude. Bonjour Loïc. C'est Claude Jalan. Alors lui, c'est un spécialiste de la prévention des risques professionnels. Tu fais du conseil, de la formation, hein, c'est ça dans, Je dans ce confirme. Domaine. Absolument. Et puis on se connaît parce qu'on fait partie de la même association Vivre et Entreprendre, qui est une association d'entrepreneurs au Péreux, Nogent. Toi, tu habites Nogent d'ailleurs, mais au Péreux. Absolument, voilà. Vivre et Entreprendre en Vallée de la Marne. Oui, Vivre et Entreprendre en Vallée de la Marne. N'oublions pas. Absolument. Bon, écoute, Claude. Quels sont les trois conseils que tu pourrais donner à un patron de PME, à un DRH, concernant justement cette prévention des risques professionnels? Alors, je dirais le premier point, donc, c'est d'engager une véritable démarche de prévention des risques, donc en mode projet, en étant convaincu de l'intérêt de réaliser une démarche de prévention des risques. Ouais, voilà. il faut être convaincu de la pas chose. Pas simplement de se dire, pas c'est, du washing. C'est une obligation réglementaire, je me limite au maximum, c'est vraiment de se dire, j'investis dans la prévention pour performer au niveau de mon entreprise. Ok. Socialement et économiquement parlant. Premier point. Deuxième point. Deuxième conseil. Je dirais associer les instances représentatives du personnel et associer les salariés. On ne peut pas faire des démarches sans impliquer les salariés, les travailleurs. Oui, ça me semble... C'est du bon sens, mais enfin, ils ne le font pas toujours. Hein. On ne le fait pas toujours. Ok, et troisième point, le plus important, j'espère. Bah, je dirais que le troisième point, c'est de parler du travail réel. On peut faire des belles démarches, on peut sortir des beaux documents, mais qui sont totalement déconnectés de la réalité du travail et de l'entreprise. Et ça, c'est la pire des choses. Faisons du concret, du réel et du pratico-pratique. Voilà, c'est important pour un gars comme toi qui vient d'ailleurs du BTP, voilà. Et puis tu as fait aussi le Bureau Veritas, voilà. Et plein de trucs comme ça. Mais on enfin, a l'habitude de bâtir sur du solide et sur du concret, pas de l'artificiel. D'accord, alors notamment d'ailleurs pour les risques psychosociaux surtout dont tu t'occupes aussi, puisque toi c'est les risques à la fois physiques d'accidents et autres, mais aussi les risques psychosociaux. Absolument. Tu as même aidé des référents Covid, je crois. Absolument, pendant le Covid. Pendant la Covid, donc référents Covid. D'accord. Aider les entreprises à pouvoir mettre en place des actions par rapport à toute la publication, donc des fois assez compliqué à mettre en œuvre, et faire du concret, encore une fois, pour avancer, faisons des fois plus simple, mais plus concret. Donc premièrement, il faut y croire, il faut vouloir le faire. Deuxièmement, il faut impliquer les collaborateurs et les représentants des collaborateurs. Hein, et troisièmement, il faut faire du concret. Du concret. Mais écoute, c'est super ça. Alors, vous retrouverez Claude Jalan, D-J-A-L-A-N-E, sur LinkedIn, entre autres, hein, où moi, j'aime bien me promener. Et Facebook aussi. Et Facebook aussi. Merci, Claude. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, vous avez vu, on est en bord de Marne, hein, évidemment, parce que c'est une balade en bord de Marne. Je ne sais pas si on voit bien ici. Bon, enfin, bref, on est là. Bye bye. Une journée au top. Au revoir.